Et salut les amis, bienvenue dans le vlog 22. Aujourd'hui on a 20 km, on est sous canicule, presque en alerte rouge. Donc ça va être compliqué difficilement. Non. Comment tu vas Tony? Bah écoute, ça va nickel, j'ai trop bien dormi dehors. C'était... Il a dormi dehors sur le lit de camp, sous la tonnelle. C'était génial, sous la tonnelle, hop, lit de camp. Mais t'as pas eu l'humidité? Non, pas du tout, j'ai bien dormi. J'ai passé ma meilleure nuit mieux qu'avec Maxime, parce que Maxime c'est une catastrophe quand il se berce. Catastrophe. Ça va Patrick? Ça va, ouais. T'as passé une bonne nuit? Ouais, mais il y a un mec à côté de ma tante qui a ronflé toute la nuit. C'est vrai? J'ai ronflé? Ça m'étonne même pas. Donc, tu m'as entendu ronfler? Ouais, ouais. Ah, tu sais que j'ai bien dormi. Donc voilà, je confirme que Tony a bien dormi. C'est vrai, après tu me l'as pas dit. Tant pis, la prochaine fois, je me mettrai un masque. Ouais, c'était pas mal. Du coup les amis, on va direction Saint-Loup. Je peux vous dire qu'on a bien bronzé avec ce soleil. Comment tu vas Ludovic? Comme d'habitude hein. Bah écoute, ça va, hein, tout va bien. T'as une ampoule encore? Ouais, j'ai une ampoule et j'ai super mal dormi en plus. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui fait la danseuse, il a fait la danseuse en face de moi. Ouais. Non, non, j'ai bien dormi, non, non, j'ai bien dormi. Parce que moi la nuit je bouge trop. Mais j'arrive pas à faire le pansement. J'ai les pansements, je me bats pour les pansements là. Tous les jours tu mets tous les jours je mets un pansement là, c'est la merde. Achète des chaussettes synthétiques ou pas synthétiques mais... Soit tes chaussures, soit tes chaussettes. Hein. Bon on va falloir aller parce qu'on est presque en retard. Et du coup voilà les amis, ben à toutes hein. Donc là les amis, c'était interdit d'aller sur la nationale, du coup on la longe par des chemins de campagne et c'était un peu compliqué avec tous les graviers pour les roule-sacs, mais on s'en est sorti. Nous sommes en pause déjeuner reçu par Loïc le jardinier, monsieur le maire et ses amis. Un espace juste incroyable au bord de la N7, juste féerique. Nous avons eu l'occasion de partager sur les déchets, sur la biodiversité. Partager nos connaissances, par exemple, le saviez-vous, nous mangeons 5 grammes de plastique par semaine, ce qui peut représenter une carte de crédit. Vous vous imaginez? Vivre dans un environnement propre est le plus sain possible. Est-ce vraiment la mer à boire? Jeter à la poubelle, est-ce si difficile? Bessay-sur-Allier est l'un des villages les plus représentatifs sur la biodiversité. N'hésitez pas à aller les rencontrer. Loïc, le jardinier, vous accueillera avec sa joie de vivre et ses connaissances. Bon les amis, là on est dans le camping-car, on va rejoindre Sab, il nous accueille ce soir, dormir, manger, barbecue. Comment tu vas Patrick? Ouais, il n'y avait pas de bouteille dedans. Ouais, ça va? T'as passé une bonne journée? Ouais, un peu trop chaud quand même, trop chaud. Ouais. Coucou! Extrêmement chaud. Ça va? Ouais, ça va. T'as aimé ta journée? J'ai mangé des crocos, les crocos, les crocodiles. Les crocodiles, t'as mangé? Oh, mon nez, mon dieu, on dirait une patate et une tomate toute rouge. T'as oui, une tomate bleue, c'est extrêmement. Verte? C'est on est crevé! T'as aimé ta journée? Ouais, ça va, tranquille. Ça va, Tony? Eh bah écoute, ça va nickel! Tu manges bien? Oui, je mange. Ah ouais, il faut. Gaffe.